Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on a notre cher ami Freddy. Alors, qui est Freddy? Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la mascotte dans Five Nights at Freddy's, enfin pas la seule mais la principale. Là, le truc c'est que j'étais me balader dans la boutique et j'ai vu que prochainement allait arriver Five Nights at Freddy's plus. Alors pourquoi je ne sais pas pourquoi Five Nights at Freddy's plus, j'en ai aucune idée. Ce que je vous propose, bah, c'est tout simplement de regarder le trailer parce que c'est juste, enfin moi en tout cas ça me donne envie de l'acheter et d'y jouer et j'ai hâte que ce jeu sorte. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà le titre du jeu, Five Nights at Freddy's Plus. Donc, comme vous avez pu le voir dans le trailer, c'est tout simplement en fait le Five Nights at Freddy's 1, sauf qu'il a été en gros remake. De base, Five Nights at Freddy's c'est un jeu de Scott Cawthon, sauf que bah, depuis il est parti à la retraite et il a vendu à un studio ses jeux. Et il y a pas mal de fans qui s'amusent à faire des fan games. Et là, bon, il y a le copyright, etc. Le truc, c'est que ces personnes-là souhaitent, d'après ce qu'on comprend là dans le trailer, refaire, enfin reproposer le tout premier Five Nights at Freddy's. Celui que pour moi, il y a le plus marché. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs, le premier. Et bah, tout simplement, ça attire l'attention. Enfin, moi, ça m'a attiré l'attention parce que, comme je suis un grand fan de ce jeu, de ces jeux, parce qu'il y en a une douzaine, il y en a une dizaine au total, je crois. Un truc comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que si ils ont annoncé un film qui va sortir fin 2023, il y a pas mal de choses qui arrivent en rapport avec Five Nights at Freddy's. Comme par exemple une série de figurines aussi. Ils font des figurines spécifiques en rapport avec FNAF, etc. Ils ont fait vraiment plein de trucs. Mais là, ils ont sorti le gros lot. Parce que ça fait quelques années qu'ils nous promettent. Je sais pas si ça se dit ça. Non, ils nous promettent un film. Et là, ils nous ont annoncé que ça allait sortir au mois d'octobre aux États-Unis. Sinon, je crois que ouais, ça sort le 22 novembre 2023, je crois, en France, dans nos salles de cinéma. Au départ, avec les trailers qui n'étaient pas réellement officiels, il était dit qu'on voit que ça allait sortir sur une plateforme de séries, films, etc., appelée Netflix. Sauf que le truc, c'est que non. C'est pas du tout, ça va pas du tout sortir là-dessus le film. Enfin, peut-être que dans quelques années il viendra à être sur cette plateforme ou d'autres plateformes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette année au mois de novembre dans nos salles de cinéma il y aura le fameux film attendu depuis longtemps. On réclame depuis longtemps un film sur Five Nights at Freddy's. Alors par contre, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça va donner?
Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? Parce que il y a le trailer du film officiel, bien évidemment, qui est sorti. Il y a déjà eu pas mal de youtubeurs qui ont réagi là-dessus. Et il y a pas mal d'éléments aussi qui nous prêtent un peu à confusion. Mais ça, par contre, ça sera dans une prochaine vidéo qui va sortir dans la même journée, hein. Ou tout simplement, je vais essayer d'analyser le trailer. Et on va essayer de voir sur quoi va plutôt s'intensifier le film. Parce que par exemple, on peut se poser la question si dans quel FNAF ça va se dérouler. Parce que comme je vous l'ai dit, elle a dit Five Nights at Freddy's. Et si le film respecte pas mal de choses, ça se passerait dans une des pizzerias. Donc ça, on verra dans une autre vidéo. C'était Vano 112 et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.